Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et on continue les aventures du Lab as Code. J'espère que vous allez bien. La température système est actuellement de 47 degrés Celsius et j'espère qu'elle restera stable et n'augmentera pas trop. Car cette vidéo est enregistrée le 14 juillet 2022 et en France, nous sommes au beau milieu d'une canicule. Alors, est-ce qu'on a du monde déjà, un peu? Pas forcément énormément de monde pour le moment, mais on espère que ça va changer. Salut à toi, John Livingstone, bienvenue. J'espère que tu n'as pas trop chaud de ton côté. Ici, il fait genre 29-30, comment dire, dans... à l'ombre, et à l'intérieur du système, on est toujours à 47 degrés. Ouais, ouais, c'est pas évident, je compatis. D'ailleurs, profitez-en pour vous hydrater, hein, c'est important. N'oubliez pas de boire, et bien entendu de l'eau ou... Ou éventuellement, enfin, éviter l'alcool, quoi. Alors, hop, désolé, j'ai été un peu à l'arrache ce soir. J'ai un peu allumé les trucs au dernier moment, justement, pour que ça le chauffe. Oh, bah, dis donc, ça y est, ça augmente, 49 degrés. 49 degrés système, et... Bon, les CPU sont au-delà de 54, 55, 56, ouais. Bon, ça devrait le faire. Enfin, si ça reste à peu près comme ça. Je suis tenté de dire que tant que la température système est en dessous de 75 degrés, on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Bien, bien, bien. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai fait de mon schéma? Il est là, hop, comme d'habitude. Alors, hop là. C'est génial parce que le schéma, quand il est blanc, je vois sur mon retour vidéo, pouf, ça devient tout blanc. Bref. Donc nous sommes là pour le Lab as Code. Alors tous les jeudis, quand la température le permet, tous les jeudis, eh bien, c'est Lab as Code. Et en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste en fait en la création d'une maquette système et réseau sur un seul serveur. Donc un serveur de, je dirais, de maquette, donc un home lab. Le but, c'est de le faire avec des outils d'infrastructure as code et de gestion de configuration. Donc on en est, je sais plus, genre à l'épisode 10 ou 11, un truc comme ça. Hein. Et en gros, l'idée, c'est que bah, via Terraform et Cloud Init et Ansible, je provisionne toute ma petite maquette, qui a pour but de, quelque part, de reproduire une petite partie d'Internet, que ce soit d'un point de vue réseau, avec du routage dynamique, ou système, avec, voire même service réseau, avec des choses comme, pour l'instant, du DNS. Alors, c'est ce moment-là que je choisis pour passer là. Alors, j'espère qu'on n'entendra pas énormément de choses. Les habitués auront remarqué que derrière moi, la fenêtre est ouverte, la porte-fenêtre est ouverte, même si j'ai mis le rideau. Donc j'espère que ça passera, parce que et qu'il n'y aura pas trop de bruit, parce que bon, normalement le micro étant plutôt dirigé vers moi et moi seul, je reste optimiste. Bien, donc le petit schéma comme d'habitude, avec en fait nos 6 routeurs ici qui sont reliés en cercle. Et qui en fait symbolise des fournisseurs d'accès internet fictifs, bien entendu, que j'ai juste numérotés. Donc ils vont de ISP1 à ISP6. Hop, ils font un joli tour comme ça. Et ensuite, derrière chaque fournisseur d'accès internet, il y a pour le moment un ou plusieurs VPS, donc des serveurs virtuels, avec en particularité pour l'ISP2 et l'ISP1, les services DNS. Concernant la machine qui héberge tout ce lab, hop, la voici, la voilà. Voilà, quand je disais, ah tiens, il est redescendu à 47 degrés, ça c'est cool. Et les CPU sont toujours, ouais, 56. Ok, c'est cool. Hop. Et donc pour le moment, ben, pas de VM, pas de réseau.
Enfin, pas de réseau virtuel. Donc si je passe ici, sur la partie Terraform. Oui, d'ailleurs, petit détail. Tout le code que je produis durant ces streams est open source. C'est du libre. Le code est beau. Le code est libre. Et pour vous le prouver, je vous montre, bien entendu, la page GitHub du projet qui s'appelle la base code, puisque j'ai choisi de faire très original. Et hop, ce la base code avec le petit readme, alors qu'il faudrait peut-être que j'améliore un jour. Ça pourrait être une idée, un de ces quatre. Et bien, tout ça, vous pouvez le retrouver, donc tout le code, vous pouvez le retrouver sur GitHub. Je fais des efforts depuis 2-3 streams pour que tout le code que je produis soit commité le soir même. Hey, salut Manon! Bienvenue, c'est gentil de nous rejoindre. Manon qui d'ailleurs se sub pour le 6e mois consécutif. Merci Manon! Je suis pas digne! Encore merci pour ton soutien depuis 6 mois Manon. Tu es en plus, j'ai envie de dire, la personne qui met l'ambiance sur les lives, donc doublement merci. J'en profite pour signaler que certaines d'entre vous souhaitent ce sub, vous récupérez en avantage cadeau quelques emojis moutons faits avec dextérité et sympathie par Studio Cyanotype. Et donc, j'ai mis sur le chat donc, le lien vers le code source. Et je vais bien entendu le rajouter comme à mon habitude dans le Discord de la chaîne. Donc vous pouvez retrouver le lien par là. Poum, 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 lien du live. Hein. Chpong. Voilà, ça c'est fait. Bien, 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 bien. Bon, j'espère que t'as pas trop chaud de ton côté, Manon. Hein. Ça va revenir avant. Voilà. Hop. Et ensuite, eh ben, on va voir un petit peu. Donc, je vais en fait utiliser Terraform pour appliquer en fait la création de toutes mes VM et tous les réseaux virtuels sur mon serveur de HomeLab, qui pour l'instant, voilà, c'est du, y a aucune machine virtuelle qui tourne et il y a juste deux réseaux à la con qui n'ont rien à voir avec la choucroute. On remarque que c'est pas forcément la météo pour une choucroute, hein, je sais pas vous. Moi là je serais plutôt citronnade, taboulé. Le code que je vous montre là c'est le code Terraform pour le moment. Ça c'est les variables et on peut voir qu'on va aller se connecter à une machine distante. C'est ça qui est amusant, c'est que là en fait, là je suis sur mon ordinateur de stream. Et John Livingstone qui nous dit « ça passe toujours une bonne choucroute ». Bah moi, elle me donne soif, là, la choucroute. Donc, j'ai fait d'abord un petit Terraform Minute pour vérifier que tout va bien. On va démarrer, entre guillemets, on va faire les choses poliment dans l'immédiat. Plan-out égale plan.out. Donc on planifie ce qu'on va faire. Et il me dit bien d'ajouter 67 éléments, d'en changer 0, d'en détruire 0, donc c'est plutôt bon signe. Hop là. Et puis, pendant que j'applique le changement, hop, on va passer tout de suite sur là. Et puis on va faire un petit watch. Hop, voilà. Et donc là, on peut voir tout de suite qu'il y a déjà les VM, deux VM des routeurs qui se sont allumés. Et on a tous les sous-réseaux virtuels qui ont été créés comme ça, en un claquement de doigts. Hein ? Comme ça, en un claquement de doigts. Réponds à ça, Thanos. Pendant que nos VM démarrent.
J'en profite pour vous parler un peu des petites blagounettes de température. Oui, la machine de Homelab, elle est un peu sensible à la température. Et en fait, la puce, le chipset de la carte mère fait partie d'une génération qui a tendance à chauffer. Et c'est pour ça que j'ai une alerte à 75 degrés, parce qu'il a tendance à monter assez vite. Là, remarquez, je suis à 47 degrés, c'est plutôt rassurant. Ce que j'ai fait pour essayer de limiter la casse, hein, d'habitude la machine, la tour, je voulais revenir à ça. Donc en fait, la machine, la tour, elle est en mode plaquée contre le mur sous le bureau. Et je vais pas dire qu'elle étouffe, mais c'est pas là où il y a le plus d'air. Et d'habitude, sur ma gauche, j'ai une autre tour qui est l'ancien Homelab. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai poussée sur le côté pour le moment. Je la remettrai en place une fois le stream terminé. Et j'en suis à un point où j'ai même, vu que le boîtier, en fait, à des panneaux amovibles. J'ai enlevé déjà ce petit panneau pour faire circuler l'air un peu plus. Et en façade, il y a carrément un panneau pour empêcher de faire du bruit, qui est assez énorme. Voilà. C'est vraiment un panneau en mode il est épais, il est solide, il est plein, et ça permet en gros de limiter le bruit. Le compromis, c'est que si le truc il est épais et qu'il n'y a pas de quoi faire passer de l'air, forcément au niveau température c'est un peu plus difficile. Donc voilà, deux petites mesures qui, je l'espère, d'une part n'augmentent pas trop le bruit. Après, les ventilateurs sont plutôt en mode automatique, donc je suppose que si la température monte, la vitesse va monter. Après, j'ai des petits, des petits boutons manuels pour faire passer les ventilateurs en mode à fond les ballons. J'espère que j'en arriverai pas là. Et puis si on l'entend biper, ce sera la fin des haricots. Remarquez, j'aurais peut-être dû dire c'est la fin des choux, parce qu'on a parlé de choucroute et pas forcément de cassoulet. Alors, où en sommes-nous suite à ces petites histoires de température? Eh bien, nous avons, pour l'ISP1 et l'ISP2, nous avons les routeurs. Bon, ça, c'est les premiers trucs à démarrer. Nous avons les services DNS. Jusque-là, tout va bien. Et nous avons le VPS1 de ISP1, ça c'est cool. Ensuite, on a ISP3, ISP6, ISP4. Ah bah tiens, je me demandais si ISP5 arrivait. Donc là, on a tous les routeurs qui tournent, qui sont lancés. Donc en gros, si je reviens sur mon schéma, on a les 6 routeurs qui désignent à nos 6 fournisseurs d'accès. On a les 2 DNS. On a ce petit VPS là, qui va avoir son importance. Et tout le reste. Ce que je peux faire maintenant, c'est revenir ici et faire un petit sudo virsh console pour aller sur la console de, on va dire ISP6 VPS1. Hop là. Alors, Nils, password. Ok, je suis connecté dessus. Sudo systemctl status, et le service est cloud-final qui a l'air d'être terminé. Et puis si je fais un tail-10 de var log cloud init-output, ah en fait non, il a pas terminé, voilà, il a pas terminé. Ça c'est la fin de la génération d'une clé SSH. Donc il n'en est pas encore, il n'a pas encore fini. Ok, bon. Généralement les machines qui partent en dernier, c'est ISP5 et ISP4 VPS1. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ISP1 VPS1. Parce que lui, il a une clé SSH qui permet de se connecter à un peu tout le monde. En théorie. On va vérifier ça. Password incorrect. Oui, alors si j'écris password à la place du login, on est mal barré.
Ok. J'ai un ID, j'ai une clé privée. Ok. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est faire un petit SSH vers 10.5.0.101, je pense. 10.5.0.101. S'il en veut bien. S'il en veut bien. Ça n'a pas forcément l'air d'être ça. Alors, ping. Il n'a pas l'air d'y arriver beaucoup. Est-ce que Terraform a terminé? Terraform me dit qu'il a terminé. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait que les machines sont en train de finir de s'initialiser via Cloud Init. Lui, 10.1.0.101, donc lui, il a fini normalement. Si je fais un petit CTL status cloud-final. Ouais, il a fini. Active exited. Il a même cloné le repo. Puisque c'est ce qu'on lui demande de faire à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder. On va faire un petit SSH. Non, pas SSH. Un sudo vir SSH console. Pop, 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 pom. ISP 5, VPS 1. Ah, non, pas, c'est pas IPS. C'est ISP. Hop là. Ah, bah oui, voilà, il est encore en train d'installer des choses. Ouais. Et la clé, elle y est. Ok, et est-ce que son IP est bonne? Ou est-ce que je m'étais trompé? Il peine à me faire un IP ADDR chaud? C'est moi où j'ai vu un OM kill passer. Je lui ai collé 512 mecs de RAM. J'ai été un peu 10.5.0.9. Ok. Ouais, résultat OM kill. Ok, bon bah on saura qu'aujourd'hui Fedora 36. Fedora 36, et ben 512 mecs de RAM, c'est radin. Alors. Alors, on va aller s'assurer que sur les VM. Ah, mais je sais pourquoi je lui ai mis 512 mecs de RAM. Je sais pourquoi. Parce que, en fait, à la base, alors le routeur, oui, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème, il tient dans 512 mecs de RAM. Lui, je lui ai mis 1 giga et je lui ai mis 2 vCPU, ok. Lui ensuite... Hop. Je lui ai mis 1024. Ah oui, c'est le DNS. Hop. En fait, la raison pour laquelle j'ai dû mettre seulement 512 mecs de RAM, c'est parce que mon... Au début, quand j'ai commencé à faire ces streams-là, je créais des machines virtuelles directement sur ma machine de stream, qui a 16 gigaoctets de mémoire vive. Or, le Homelab, lui, en a 48. Donc, à partir de ce moment-là, eh ben, on est déjà un petit peu plus contraint quand on est seulement sur 16 gigs au lieu de 48. Et donc je pense que j'avais limité certaines machines pour éviter les ennuis. Donc là, lui aussi, je suis 1 gig de RAM, tout va bien. Ah, là, je suis à 512. Donc, effectivement, on va lui mettre 1024. On va lui mettre 2 vCPU, parce que de toute façon, hop, maintenant, il y en a du CPU. Et lui, ça doit être pareil, à mon avis, le voilà, c'est pareil. Allez, hop. En fait, je pense que dans certaines conditions, 512 mecs de RAM sur une Fedora, ça doit pouvoir tenir. Je pense qu'en la personnalisation, on recommence.
en la personnalisation. Bouh. Allez, troisième prise. En personnalisant correctement l'installation, il y a moyen, je pense, de la faire tenir dans 512 MB de RAM. Mais on ne fera pas grand-chose avec. Il ne faudra pas lui en demander trop. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, n'importe quel distrib, en tout cas en x86-64, sur 512 MB de RAM, on ne fait pas grand-chose en fait. Alors on pourra toujours me rétorquer que ça suffit largement pour un genre pour un serveur web statique, une petite genre un petit bastion SSH, ce genre de choses là. Et je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, il va y avoir des outils, bah, tous les outils de déploiement de configuration qui risquent peut-être de vouloir faire des choses, beaucoup de choses. Et ça risque de pas se passer bien. Alors, donc, j'ai remis un peu de RAM. Si j'ai remis un peu de RAM, je vais pouvoir revoir tout ça. Ah oui, bah non, du coup, vu qu'il s'est fait OM kill. Alors, ce qu'on va faire, je vais revenir ici. Et plutôt que de tout casser pour tout refaire, je vais juste réappliquer à nouveau. Donc, je vais refaire un plan, en fait. Et là, il va me dire, en fait, je vais changer des trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut changer exactement? Et ce qui est cool, c'est qu'il met de la couleur, il nous fait un joli diff, bien, bien fun. Franchement, Terraform, de ce côté, c'est plutôt sympa. Il nous dit donc que il faut remplacer cette VM-là. Bah, ça tombe bien, de toute façon, elle n'était pas dans un état qu'on voulait garder. Puisqu'il nous dit, au fait, je vais la passer de 512 MB à 1024, donc je dois la remplacer. Je vais lui rajouter un vCPU, donc je dois la remplacer. Après, de vous à moi, moi je trouve ça un peu overkill de la part de Terraform, mais je suppose que faire juste un upgrade de ces ressources-là, même si on faisait juste genre un seul reboot, juste un reboot de la VM, peut-être que c'est pas ce serait, je sais pas si Terraform se base sur l'idempotence pour avancer, je pense que oui, pour travailler en tout cas, mais le principe c'est que là du coup je pense qu'ils auraient un peu du mal à avoir un état facile à obtenir et à réobtenir. Et l'interface réseau, bon bah ça, il verra le résultat après. Mais il va très certainement à nouveau le modifier vu qu'il détruit et recrée la VM. D'ailleurs, lui aussi le dit. Et au fait, boum, tu passes, tu changes de RAM, tu changes de CPU, paf, on te recrée. Bon, et ben c'est parti, hein, on va appliquer. Alors ça devrait aller un petit peu plus vite, je pense. Voilà, c'est déjà fini. J'ai même pas eu le temps de boire un coup. Donc, hop, on va revenir ici. Salut à toi, Rhys Jack. Bienvenue. J'espère que tu n'as pas trop chaud. C'était lesquels déjà, ISP 5 et 6. 3, 4. Donc, voyons voir ça. Alors pour le moment, il ne m'affiche pas grand-chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais hop, copier la commande et je vais aller regarder pour l'ISP6. Hop là. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Donc là, j'ai le login, comme lui, là, d'ailleurs, tout à l'heure. Et là, je pense qu'il ne doit pas afficher grand-chose, mais qu'il doit quand même travailler. On va vérifier ça. Ah, tiens, il m'a déjà dit... La chaleur est légèrement tenable. Mais ça va. Et toi, la forme? Eh ben, écoute, ça va. On tient le coup difficilement. Pour l'instant, ça donne... Hey, on est à moins... On a un processeur qui est à moins de 50 degrés. Enfin, un cœur qui est à moins de 50 degrés. Et on a le système qui est à 47. Donc, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien.
Et alors, pourquoi il s'est... Pourquoi il s'est planté, lui? Hop là. Failed with result exit code. Ouais. Ok. Alors, si je retourne dans... Alors, ça, c'est la partie Terraform. Ça, c'est la partie Cloud Init. Donc, ça, c'est ISP1. Ça, c'est routeur. VPS1. Ouais, alors, ce qu'on va faire, c'est que... Hop. Faudrait que je trouve un raccourci clavier côté Vim pour pouvoir quitter tout quand je fais un Vim-P. ISP, on était au 5, hein. ISP 5, VPS 1, User Data. Donc ça c'est la config Cloud Init qui au premier démarrage applique certains trucs. Notamment donc il me crée un utilisateur avec un mot de passe, avec une config avec une clé SSH. Une config sudo, quelques petits trucs genre vas-y rajoute-moi des fichiers. Tiens d'ailleurs tout le truc fail to ban ça, ouais c'est bon. J'ai laissé les fichiers de conf fail to ban mais je n'ai pas, pour l'instant ça nous embête plus qu'autre chose. Manon qui dit qu'elle a éteint toute son infra pour éviter de rajouter de la chaleur à la chaleur, mais tout à fait. Et moi c'est pareil, hein. Je n'ai allumé le PC et le Home Lab que moins de 30 minutes avant le début. C'est pour vous dire. Et actuellement, mon NAS est éteint. C'est ce qui m'enquiquine un peu, parce que c'est lui qui fait certaines sauvegardes. Mais bon. J'ai des backups. C'est juste que maintenant, les backups vieillissent. Qu'est-ce que je voulais vérifier, moi? Oui, il est censé être 10.5.0.101, en fait, l'ISP5. Il n'y a que la Freebox et un Switch plus deux Raspberry Pi 0 qui chauffent pas, le reste est down. Les Raspberry Pi 0 chauffent pas. Tu me l'apprends. Ok. Bon, j'ai le rideau qui commence un peu à faire des siennes. Bon, je vous fais confiance hein, dans le chat. Si jamais le rideau se met à prendre la poudre d'escampette, vous me le dites, hein. Alors, ça chauffe, mais au vu de la console de WAP, le TDP est vraiment minimum. Ah, c'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir. Alors, où est-ce qu'il se serait fait U? On va aller jeter un œil, hein. Tac. On va peut-être faire un tail moins... on va faire un tail moins 50 sur le fichier de log de Cloud Init. Et il dit quoi? Error connection activation failed, no suitable device found for this device ETH0 not available because profile is not compatible with device permanent MAC address doesn't match. Oh là, il nous a fait quoi là? Salut à toi Minitel Rose. Bienvenue d'ailleurs. Remarque, c'est pas ta première intervention, donc t'es déjà venu dans le coin. Alors, ok, donc le ISP5 il est pas content. Et lui il a pas l'air d'aimer non plus. Qu'est-ce qu'il aurait arrivé à 5 et 6? Ils ont failed encore. Et si je fais un sudo tail-20 de 20 log cloud init-output. Visiblement, on a la même chose. Donc, si ça se trouve, alors ce que je vais faire, je vais le faire en graphique parce que j'ai la flemme de retrouver les commandes vir/sh. Mais je vais carrément au niveau au niveau de libvirt, je vais dire vas-y, efface-moi les VM. Allez, tu me dégages ça. ISP5, on va effacer aussi. Et bim, voilà. Donc là, il n'y a plus. Là, il n'y a plus. On va revenir ici, et puis on va refaire un petit plan. Donc là, il va me dire, au fait, il faut créer des ressources. Voilà.
Il faut créer des ressources. Ok, très bien. Et maintenant, on applique. Donc la différence entre ce que je fais, cette application de Terraform là et l'autre, c'est que la première, en fait, il avait deux ressources à recréer. Et si ça se trouve, il les a pas recréées entièrement. Là, il les recrée from scratch. Et en ce moment, Manon, tu utilises beaucoup ton VPS chez OVH, donc moins besoin d'une infra à la maison. Ah bah oui. C'est pratique hein, quand c'est aux autres de s'occuper de la clim. Alors, où en sommes-nous? Là, il est en train de mouliner au niveau des dépôts. Donc il doit être en train d'installer les petits packages que je lui ai demandé d'installer. Tranquillement. Et Manon qui rappelle qu'effectivement, tu génères de la dépense énergétique. Tout à fait. Tout à fait. Après, ça reste... Enfin, voilà, ça reste une question de compromis. Tu vois, selon ce dont tu as besoin. Oui, alors tu peux l'éteindre ton serveur chez ton VPS, oui, tu peux l'éteindre et l'allumer à distance. Alors pour le rallumer, je pense qu'il faudra que tu ailles sur la page, enfin tu te connectes à ton espace client chez OVH et puis tu lui dis vas-y allume-le. Hein. Enfin j'ose espérer qu'il y ait un bouton comme ça. Salut à toi Fabus118, j'espère que toi tu n'as pas trop chaud non plus. Je me rappelle alors, ça va être... Remarquez on est jeudi, alors c'est pas sur Twitter qu'il y a le hashtag genre jeudi confession. À une époque j'avais un serveur dédié chez un hébergeur autre que celui chez qui je suis actuellement et je m'étais trompé de machine à éteindre, j'ai éteint mon dédié au lieu d'éteindre mon PC. J'ai fait un power off sur la mauvaise machine et il s'est trouvé que je trouvais pas où rallumer la machine dans l'interface web chez ce provider et du coup j'ai envoyé un mail au support en mode bon écoutez désolé je me sens un peu bête mais j'ai éteint le dédié et je sais pas comment le rallumer. Ah, ils m'ont dit le bouton pour le rallumer il est là mais on vient de vous le rallumer. Donc ça va, ils avaient été cool. Fabou, chez toi, il fait que 25 degrés. Eh ben écoute, c'est plutôt sympa. Alors moi, le thermomètre est un peu loin pour ce qui est de l'air ambiant, mais je peux d'ores et déjà te dire que sinon dans le système, il fait... On est toujours autour des 50 degrés côté CPU et on est toujours stable à 47 degrés niveau chipset. Tout ça, ça run. Hop, lui, il a l'air d'avoir presque fini. Alors... Complete. VMSopiness 5. Il a installé les packages. Et il a l'air d'avoir fini en disant connection. Nanana. Et il a fini active exited. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, Manon qui vérifie que son VPS s'éteint et qu'il le fait pas rebooter. Tu as bien raison de vérifier cela. Tu as bien raison, parce que... moi, je sais que si j'éteins trop vite mon NAS, il reboot. Et c'est tout bon. Tu confirmes un sudo alt, le serveur est éteint, et tu peux demander un redémarrage à distance dans l'interface. Du coup, tu vas l'éteindre, vu que tu l'utiliseras pas avant lundi. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Je ne peux qu'être d'accord avec cette démonstration de sobriété numérique.
D'ailleurs, question à la con et qui effectivement pourrait peut-être t'aider pour le rallumer et l'éteindre plus facilement à la demande. Je souligne du coup la question de Minitel Rose sur est-ce qu'il y a une API pour le faire démarrer à distance. Ça peut être utile. Bon, et eh ben nickel, voilà, on a fini les bases là. Je pense qu'on peut dire que notre plateforme est prête à être améliorée. Alors, enfin en tout cas, prête à fonctionner. Hop là. Alors, après le disque sur lequel il est hébergé, il continue à tourner vu qu'il est mutualisé, idem pour le processeur, hein, mais disons que tu consommes pas la ressource inutilement. Donc là, a priori, pouf pouf, allez, git status. Et on commit tout ça, bien entendu. Sinon, vous le verrez pas dans le repo. Hop. Et c'est poussé. Voilà. Bien. Ok, à partir de là, lui c'est quoi son IP? 101? Ouais, il répond. Et je suis dessus. Nickel! Donc je peux même faire ça, et puis je peux faire... Ok, bon bah c'est génial ça! C'est génial! Donc si je reprends mon schéma, bah globalement, on a tout ça qui est prêt. Est-ce que ça serait pas le moment de passer... Est-ce que ce serait pas le moment de passer à Terraform, à Ansible. Mais avant, je vais quand même me connecter par acquis de conscience sur... ISP1 routeur 1, c'est ça, hein? Hop. Et puis si je fais un petit show IP route, hop, voilà. Et là, on a a priori tout le routage qui est bon. Puisqu'il a bien des routes pour aller vers tout ce petit monde. Si je fais un petit show config, hop, la config a l'air d'être plutôt bonne, et il a bien les, ok, donc c'est super cool, on va enfin pouvoir, on va pouvoir avancer, j'ai encore plein d'autres idées de modifications côté Terraform et CloudInit. Mais je pense qu'à un moment faut aussi savoir avancer sur d'autres sujets. Et ce qui veut dire que on va se remettre à Ansible, ce qui est plutôt bon signe, non? Je pense d'ailleurs que je ne peut-être que je détruirai pas le lab à la fin de la session de ce soir, et que du coup on pourra essayer d'incrémenter plus que comment dire. Plus que recommencer en fait. Et éventuellement, dans certains cas de figure, si jamais je veux remettre à zéro certaines machines, bah, j'aurais juste à les détruire dans libvirt,
je relance un Terraform Apply, du coup il va me régénérer la machine, qui va se reprovisionner via Cloud Init, et éventuellement, si on a rajouté des configs au niveau d'Ansible, on pourra réappliquer via Ansible. Donc en gros, en trois actions simples, on pourra faire revenir une machine à un état donné. Et ça c'est très cool. Et c'est justement tout l'intérêt d'utiliser ces outils-là, et l'énorme avantage par rapport à mon ancienne génération de maquettes HomeLab, où j'avais tout fait à la main, et où, il y a eu quelques petits soucis, hein. Puis de toute façon, rien ne m'empêche de temps en temps de rajouter des machines dans le lab, enfin voilà, on va pouvoir avancer comme ça, de façon incrémentale. Alors je vous cache pas que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait d'Ansible. Si je suis ici. Donc là, normalement, j'ai dans mon repo, j'ai la partie Terraform. Tiens, Terraform TFState qui sert à rien ici. Voilà. Ok. J'ai la partie Terraform. J'ai la partie Cloud Init. Dans le répertoire doc, il y a le schéma que je vous montre régulièrement. Et ben, mkdir Ansible. Hein. Et on va s'y remettre. Alors, je pense que la première chose à faire côté Ansible, ça va être de faire un inventory et juste de s'assurer que les machines répondent. Et si je me rappelle bien quelque part dans mes... je crois que c'était dans ce dépôt-là, qui est un autre dépôt. Hop, Ansible. Ah oui, c'est vrai que je l'avais fait en YAML et puis c'était... C'était assez moisi. Normalement, le fichier d'inventory, on peut le faire au format ini, de mémoire. Hop. Je sais plus où je suis. Hop, ici. Ouais, ici. Et donc, on va peut-être commencer par faire un petit inventory. Inventory.ini. Et donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est peut-être créer des groupes. Et pour créer ces groupes, hop, on va faire comme ça. Donc, on va faire ISP1. Par exemple, et puis ce qu'on va peut-être pouvoir faire, alors le truc c'est que si je mets, alors moi je vais aller chercher un petit peu sur internet pour le hop, l'inventory Ansible, parce qu'en gros j'aimerais bien mettre des noms, mais je pense qu'il va falloir que je mette des IP, hein. À moins que directement au niveau de Cloud Init pour le DNS, je lui balance tous les hostnames. Ce serait probablement plus simple, hein. Qu'est-ce que vous en dites dans le chat? Parce que si je fais des... là actuellement, tiens, comment est-ce que je m'y prends si jamais je me connecte sur là je suis sur ISP1 VPS1. Donc là a priori lui il a NS1, NS2. Faudrait que je change un peu mieux les noms. Parce que VPS 1, ouais. Je pense qu'il va falloir que j'aille retoucher le TC host, en fait. Et pour cela, il va falloir aller dans ISP1, DNS1, User Data. Voilà. Et là, à ce niveau-là, quelque part, voilà, j'ai tout ça. Donc le 10.1, alors on va essayer d'être propre, hein.
Donc là, ce sera isp1dns1.example.com. ISP2. Donc lui, on va dire que ce sera NS2. Hop. Et donc, ensuite, on a 10, 10, 1. Ouais, alors si je reprends mon schéma, ce serait 10, 1, 0, 1, 10, 2, 0, 1, 10, 3, 0, 1. Ouais, ok. On va faire comme ça. Donc, 3, 4, 5, 6. Et donc, ISP3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va avoir tous les VPS. Et à la limite, ce qu'on va faire, c'est... ce qu'on va peut-être faire, c'est faire comme ça. Voilà. Ensuite, ISP3. Donc 10. Ah, je crois que je me suis trompé. Ce que je veux, c'est juste lui. Donc 10, 3. 10, 3, 1, 101. Et ce sera ISP3, VPS 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on peut en faire 4. Et 6. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Hop, on va copier tout ça. On va aller ici, on va le coller. Le coller là. Voilà. Donc normalement, si jamais je réapplique tout ça, si je réapplique tout ça sur les machines, tout devrait bien se passer. Ce que je vais faire donc, c'est qu'au lieu de démolir, au lieu de tout démolir mon labo, je vais juste démolir les deux DNS les uns à la suite des autres. Donc je vais rester ici. Ça, c'était le... hop. VirSH console ISP1 DNS1. DNS1, voilà. Donc... ce que je vais faire, c'est que je vais dézinguer le ISP1 DNS1, voir s'il remonte. Et puis, si ça passe, ce sera cool. Mais voilà. Faudrait que je me fasse un alias genre tfplan, tfapply. Donc là, hop, il recrée juste le DNS.
Et pendant ce temps, ce que je peux peut-être faire... c'est dire... qu'on a donc un ISP, ISP1... VPS1... point, alors... point example.com du coup... un DNS1... et à partir de là, hop, ISP2, donc là. Ceci étant, l'ISP2, il n'y a pas de VPS. Voilà. ISP3. Cinq, six, hop là, six, voilà. Je vous fais toujours confiance hein, pour le rideau derrière, vous me le dites. Hein. Hop là. Bon, j'aurais pu générer tout ça avec un petit script shell probablement. Hein. Alors, maintenant que j'ai, on va dire une première liste d'inventaire, où est-ce qu'on en est côté Terraform, il avait fini de popper la VM. Là, a priori, on a fini le Cloud Init. Il dit refinished, reach target. Là, il répond au ping. Ah. Donc c'est juste moi qui ne sais pas taper. Pour ça que j'ai voulu mettre une clé SSH. d'ailleurs, ça me fait penser que... je vais carrément virer le nonhost pour le moment. Hop, voilà. Voilà. Tada, je suis dessus. Sudo systemctl status cloud-final. Et là, il me dit active exited finished. Ok, top. Plus besoin de me connecter là. Voilà. Et si je fais host ISP4VPS1, ah, host command platform. Dig, j'ai dig, j'ai pas dig. Tiens, bizarre. Bind-utils, c'est bind-utils normalement qu'il faut installer. Je vais peut-être rajouter ça dans mes cloud init. Hop. Dig at 10.1.0.53. On a dit ISP4VPS1 par exemple. Il me dit non, je le connais pas. .example.com par contre. Ouais, je le connais. 10.4.0.101. Ok, nickel. Ping. Hop là. Ça c'est bon. Ça c'est très cool. Très très cool. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est aller en profiter pour désinguer tout de suite le DNS, le deuxième DNS. Non, je vais pas le désinguer parce que ce serait trop relou, je pense. Ben, on l'a vu pour le premier. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire... je vais récupérer. Est-ce que j'ai un rsync là-dessus? Oui, j'ai rsync. ISP1DNS1.2.etc/host. Ouais, .example.com. Je pense que je vais essayer de... euh...
Permanently added, ouais, ok. Et j'ai mon fichier host. Ah, j'ai oublié de faire un rsync-v. Et ensuite, rsync-v.slash/host vers up.example.com. Hey, merci pour le follow, Skyro. Merci à toi. C'est très gentil. Et donc, on va aller sur le DNS, l'ISP2, DNS1. Hop, ça c'est fait. On va se connecter dessus. Voilà. Donc on voit, hein, le hop, on était ISP1, VPS1, là on est ISP2, DNS1. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va prendre tout ça, on va pas se casser la tête, copier. Ok, j'ai pas installé Vim, j'ai juste installé VI. Voilà. Comme ça, pas besoin de trasher la VM. Bien, maintenant qu'on est là, j'ai mon inventaire qui est ici. Il va me falloir une conf, hein, une conf Ansible. Et si je regarde là, je crois qu'on avait un Ansible.cfg qui marchait plutôt pas mal, non? Alors, je fais un peu de la recopie de... Hey, merci beaucoup pour le follow, Vicob. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Ouais, j'avais recopié carrément un... Ok. Donc... c'était sur Jubilant, Autotribal, Ansible.cfg, voilà. Est-ce qu'on a des trucs en particulier qui... alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grep-v de tout ce qui est... tout ce qui commence... Tout ce qui commence par... Hop, tout ce qui commence par dièse dans le Ansible.cfg. Et on va grepper sur toutes les lignes vides, on va les enlever aussi. Donc on va regrepper -v sur ce qui est vide. Hop, voilà. Sauf que visiblement, ce serait plutôt les... fait... Zut alors. Voilà, ah oui d'accord, ok. Allez, pipe grep-v. Donc en fait, il y a deux types de commentaires sur Ansible, visiblement. Il y a les points virgule et les dièses. Et voilà, là on a un petit... voilà. Alors pourquoi j'ai fait pipe 4? C'est parce que pipe 4, c'est un alias ici sur ce système. Alias pipegrep4 vers la petite commande bat qui est assez sympa. Donc a priori on n'a pas grand chose en termes de paramètres. On a le no cause, on a le bcom, ok. Ce que je peux faire, c'est peut-être initialiser ça. Ah oui, alors déjà, faut que je me... On va déjà committer ça, tiens. Et après, une fois qu'on aura committé, je vais mettre à jour le repo sur le VPS 1 et on va essayer de voir si, si ça passe. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai installé Ansible sur le VPS 1 ? J'ai installé Ansible. Ok, j'ai Ansible Core... qui est installé. Alors, git commit, je commit à l'arrache. Alors, ISP1, DNS1, hop, ISP1, DNS1, Je pense que ça, c'est pas mal.
Hop. Ensuite, on va faire pareil sur l'ISP2 DNS1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc j'ai mes deux fichiers de conf Ansible. Voilà. Donc, si je reviens ici. Salut à toi le Poke Gamer. Oh, c'est un vide de commande. Oui, qu'est-ce qu'il a mon invite de commande? C'est alors c'est celui-ci ou c'est celui-ci qui te fait faire cette remarque. Hop là. Hey, salut Xavier, ça faisait un bail. Merci infiniment Xavier pour ton 8e mois d'abonnement. C'est assez fantastique. Je suis toujours, je ne saurais me montrer. Enfin, j'espère que je saurais me montrer digne de vos engagements sur les subs. Merci beaucoup à toi. Le coloré, ouais. Il te choque ou au contraire il te plaît? Parce que après, j'en ai déjà vu des d'autres, des prompts qui sont parfois un peu plus travaillés. Hein. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ok, donc là, il m'a mis à jour tout ce qu'il faut. Alors, c'est surtout le Ansible qui m'intéresse. Hop. Et Xavier, tu es pas hyper assidu pour les lives, mais tu regardes souvent les replays. Oh, t'es un amour. Merci, hein. Encore merci à toi. T'as déjà vu pire. Ok. Tu préfères les trucs de base comme ça, sans couleur, sans fioriture, c'est ça le Poke Gamer? Après, chacun son truc, hein, je juge pas. Bon, et ben, Ansible, help. Parce que j'ai des doutes, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de l'Ansible, pour être honnête. Et j'aurais aimé pop me faire juste genre un petit ping. Et je me demande si il y a pas il est où le truc pour gérer le fichier de conf. Alors il y a le moins i pour l'inventaire, donc ça ok c'est cool. Et Et playbook dir, bon ça on n'y est pas encore. Vault ID, version, check, diff. Config, non. Config file location. Est-ce que je lui avais donné un truc avec un... Ouais non, on avait regardé tout à l'heure. Bon bah hop, Ansible. Si je fais un moins un ping, ça passe ou pas? Il va me... Non. Alors désolé, je sais que certains d'entre vous vont trouver ça un peu... Je pense qu'on va aller regarder un nouveau quick start, hein, getting started. Alors des getting started, à mon avis, ça va surtout être l'installer, mais ça normalement l'installer c'est bon. Il y a un user guide qu'on va peut-être regarder après. En tout cas, j'espère que Xavier, comme le Poke Gamer, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Tiens, là, le Getting Started, il se traîne. User Guide.
Working with inventory, ok. Pouf, pouf, pouf. Ah, si, ça y est. Si, très chaud, il fait encore plus de 30. Oh, mon pauvre, je compatis. Je compatis. Ansible Hall, ah, bah tiens, allez, hop. Si je fais ça, il va me dire quoi? Il va me dire rien du tout, parce que forcément, la host list est empty. Donc, si je fais moins i, point slash inventory.ini, host, voilà, il y en a 9. Ok, c'est cool. Pop-pop-pom. Ici, nous sommes à pop-pom en termes de température. Zut, je paume mes... on est toujours dans les... Ouais, 47 à 50... Oh, 47, 48, ouais. Vers 51, 52 degrés. Côté CPU. Côté chipset. Oh, on est passé à 46. On a perdu un degré. On a perdu un degré. C'est cool, ça. C'est... C'est plutôt sympa. Après, je n'ai pas le... comment dire, le thermomètre pour la température réelle dans l'air, ici. Il est un peu loin. J'aurais peut-être dû rapprocher le thermomètre, d'ailleurs. Mais je crains qu'il soit, du coup, plus chaud du côté des PC que du côté des... du côté de la bibliothèque. Hein. Ansible Hall moins M ping. Et ben voilà, hop, allez. Alors du coup, à force que je lui dise, moins i point slash inventory.ini. Ben oui, vas-y. Vas-y. Alors je pense qu'il va falloir que je relance le truc. Pour éviter... pour éviter tous les comment dire, tous les trucs genre yes yes yes. Ah, unreachable. Tiens. Allez, on recommence. Merci beaucoup pour le follow, Rivaltex. Merci à toi. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le list host. Merci, merci aussi pour le follow, Akumetsu. Merci à toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un for i in pof comme ça. Et bienvenue à vous, en tout cas les nouveaux arrivants. Hop, j'ai oublié un point d'avant. Echo, on va faire dollar i dans un premier temps. Hop, done. Où est-ce que je me suis viandé? Ah oui, do. J'ai oublié un do. Voilà, petite boucle, voilà. Et ensuite, on fait do SSH dollar i. Et puis, on va faire un petit... on va juste faire un uname moins... uname moins a. Hop. Alors, est-ce que je me suis pas planté dans ma commande? Non. Donc, normalement, on va faire peut-être même un... Est-ce qu'on ferait pas un... Non, on va faire un echo. Dollar i, voilà, et ensuite SSH. Allez, could not resolve host name host. Ah oui, pouf pouf pouf. Yes yes yes, voilà. Allez, on recommence. Si je refais ça, il me dit quoi? Ah, c'est parce qu'il me... Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pipe grep-v. Pourquoi il me... Voilà. Ok, ça a l'air d'être plutôt bon signe, tout ça. Ouais, là on est bon. Allez.
Ok. Pourtant, il y avait... Ah oui, mais oui, il y a les lignes, donc il aime pas. Donc c'est... Pof, c'est celui-ci. Voilà, là, il me dit success, systématiquement. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ça veut dire qu'en gros, tous les VPS sont opérationnels. Ils sont opérationnels, ils répondent au ping, enfin au ping, ils répondent à une connexion SSH. Ça, c'est cool. Et en plus, il a trouvé l'interpréteur Python en même temps. C'est toutes les mêmes distribs, donc on est plutôt bon. On est plutôt bon. Et ça, c'est très, 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 très cool. Ça, c'est très, 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 très cool. Et là, je suis en train de me demander quelle va être la suite, en fait. Pour le moment, on a... Eh mais attends, mais on a aussi le VPS1, du coup. Ah, du coup, il est capable de se provisionner lui-même. Ça va être sympa. Donc, 9 machines. 1, 2, 3... Et 3, 6, 7, 8, 9, ouais c'est ça. Pour l'instant les routeurs, je les touche pas avec Ansible, je pense qu'on verra à un moment un peu plus tard. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être commencer par peut-être pourquoi pas installer des serveurs web sur les trois ici, juste pour vérifier qu'on a un truc avec genre, je sais pas moi, un petit playbook ou un rôle, un truc pas trop, comment dire, pas trop relou quoi. Tiens, Ansible démo. Ça peut être une idée. Comment builder un inventaire, ouais. Alors ça on l'avait vu, ouais, le YAML ça on l'avait déjà vu. Comment créer un playbook? Ouais, mais je vais peut-être pas... Ah si, on peut peut-être se faire un petit playbook dans un premier temps. Juste un truc pas trop... pas trop relou. On va faire ça. On va suivre le guide, tiens. Allez. Hop, et on va rester sur le VPS1 et... comment? Bon, déjà, je vais installer un vrai Vim, un éditeur de texte, avec un peu de facilité. Eh, hey, c'est cool ça, on a Vim 9 maintenant dans Fedora. Et on va l'appeler ISP3VPS.yml. Hop. Ok. Name, my first play. Host, donc ce sera ISP3. Can't open file for writing. Pourquoi il peut pas? Pourquoi il peut pas? Ah oui, bah oui, parce que je suis dans le... Ok. Ok, ce que je vais peut-être faire en fait, c'est revenir ici, sudo chown -r names2. Et Ansible. Hop là. Peut-être même tout en fait. Hop. Voilà. Et. Voilà. Alors, lui, on avait dit que c'était ISP3 VPS. Les hosts, c'est ISP3 normalement.
Si je regarde dans mon inventory, j'ai ISP3, ouais. Name, machin, message, hello world. Ok, on va rester comme ça pour le moment et on va lui dire. On va lui dire Ansible playbook. Hop. Moins i inventory.ini et on va lui dire isp3.zps.yaml. Hop. Et donc normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, les choses fonctionnent. Ok, donc on a vraiment la base. On a vraiment la base. Bon, maintenant, on va pouvoir commencer à installer des trucs un petit peu plus... Du moins, je l'espère. Donc là, a priori, on a fini. Hop, on a fait notre premier, ouais, premier playbook. Alors là, il y a une intro au playbook. Hop. Alors, la syntaxe, l'exécution, ouais. L'idempotence, ok. Ah bah ça c'est parfait, on va pouvoir utiliser celui-là, tiens. Alors. Donc on recommence. Le name. Ah, à chaque fois il faut un name. Alors. Copier. Et... Voilà. Et on va personnaliser un peu tout ça. Pour le moment. Voilà. Et host, ça va être ISP3. Remote user, nope. Ce sera Nils. Task. Hop. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dégager ça. Voilà. Ansible Bitney, gna gna gna. Ok. Et les DB serveurs, ça, on va pas les installer donc pour le moment. Hop, voilà. Donc, il va me falloir un template. Hein, et leur template, il est où? Ils en proposent pas? Ils en proposent pas. À la limite, je vais mettre ça en commentaire parce que moi, pour le moment, ce que je veux, voire même, je vais être un petit peu plus... hop. Parce que j'ai envie d'installer Nginx et pas HTTPD. Hop, voilà. Déjà, rien que ça, on sera bien. Je pense. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à lancer le truc... bah ça va être celui-là, hein, puisque de toute façon c'est le... Voilà. Et alors, roulement de tambour, est-ce qu'on va avoir du Nginx? Ok, donc il a récupéré les facts, il a fait des changements. Ah, j'aurais peut-être dû être plus verbeux. Et... Ok, 2, changer 1, unreachable. Alors, si jamais je fais un moment verbose et que je recommence, normalement, il va dire tout va bien. Hein. Normalement, il devrait mettre OK partout et il devrait pas me mettre de changement. Voilà, ok, 2, message, nothing to do. Donc, à partir de là, ce que je devrais pouvoir faire, c'est faire un petit curl en HTTP sur chaque VPS. Connection refused. Ah. Par feu. Ben oui, je me pose la question. Pourtant, je pensais qu'on en avait pas. Pas de firewall D ou pas le bon port d'écoute. Non mais attendez. Je pense que je l'ai l'astuce. Je l'ai l'astuce. Alors, ou pas le bon port d'écoute. Ah, enfin un truc comme je les aime. en fait, je pense qu'en fait Nginx n'est pas lancé. Voilà.
Voilà. Ça, c'est fait. Allez. Alors, maintenant que on a Nginx qui est installé, comment il dit dans le truc? Est-ce qu'il y a moyen de lui dire, au fait, le service, il faut qu'il soit... Hop. Alors, je peux aller rechercher quelque part dans certaines... Hop. Tu veux pas dire service start Nginx? Alors, ce que je voudrais, c'est m'assurer que effectivement le service Nginx est lancé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire. Poum, comment je lui dis déjà? Alors je suis désolé hein, mais ça fait des lustres que j'ai pas fait du Ansible, j'ai perdu tous les tout enfin voilà, c'est on pourrait croire que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et en fait, comment est-ce que je peux juste lui dire? Et au fait, assure-toi que le service soit lancé. Poum, alors, on va lui faire un name déjà. Et on va lui dire... Et ensuite, il faut lui dire service 2.name égale nginx. State égale started. Normalement, ça le fait. Si je dis pas de bêtises. Bon, j'avoue, je suis allé regarder dans un vieux playbook, hein, honnêtement. Et j'ai un peu honte de vous montrer le playbook. Ok, il a fait plein de trucs. Mais il a dit OK 3 changer 1. Donc ça c'est plutôt chouette. Je suis assez content. Est-ce que je peux relancer mon curl? Ouais. Alors si je fais juste un curl moins i. OK. Donc j'ai bien un HTTP 1.200 avec un Nginx. Je peux faire ça. Et je peux faire ça. C'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on a un premier truc qui a l'air plutôt pas mal. Et ce que je me dis, c'est que on va essayer de retravailler ça. De committer ça de façon à ce que je puisse facilement refaire mes déploiements. Et donc, on va retourner un petit peu sur du. Probablement sur du Cloud Init, je pense. ISP1, ISP1, VPS1 et le User Data. Alors. Ce que je suis en train de me dire, c'est que là, globalement, notre repo, à quel moment est-ce que je lui dis, vas-y, fais un git clone? Je lui dis là. Ok. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais lui dire chown-r-nils-2.nils srv git la base code. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et ensuite, hop. Ce qu'on peut peut-être faire. Ce qu'on peut peut-être faire.
pour être une petite idée, ce serait de faire un ln-s de slash ansible vers slash home nils on va dire point ansible. Et ensuite, j'ai un hop, j'ai un slash ansible.cfg et on va lui dire dans .ansible.cfg. Ça, ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai un inventory, j'ai un ansible.cfg. Hop. Inventory. Donc on va rajouter. On a dit ISP3 VPS.yaml. Et. Donc il n'y a pas grand chose dedans. Hop. Voilà. Mais pour le moment, ça fait le job. Je suis en train de me demander si il n'y aurait pas. Si, il y a un inventory. Voilà. Donc on va pouvoir modifier ici l'inventory et on va pouvoir lui dire que c'est tilde slash point ansible slash inventory point ini. Voilà. Donc là normalement on est pas mal. Ah oui. Pop-pop-pop-pam. Bien, bien, bien. Alors, il nous reste à faire ça. Alors, je vais peut-être tester quand même mes liens symboliques. Alors, j'ai bien un point de cible. Ok, ça c'est cool. Et ensuite. Parfait. Donc, ça c'est très bien. Et puis, on va peut-être même mettre. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est...
Bien, bien, bien. Maintenant que ça s'est mis en place, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais détruire le ISP1 VPS1. Je vais du coup le recréer via Terraform. Côté, une fois que la VM a poupé, côté Cloud Init, ça va se déclencher. On devrait avoir nos petits trucs avec, avec toute la config, tout le repo qui va être envoyé. D'ailleurs, il faut que je push. Ah bah, je l'ai fait. À partir de là, ce que je dois pouvoir faire, c'est juste lancer un... Je dois pouvoir lancer un petit Ansible playbook, genre isp3vps.yaml, avec un verbose, sans même configurer l'inventory, normalement, puisque le fichier de conf, le .ansible.cfg, normalement, indiquera ça. D'ailleurs, ce qu'on peut même faire, c'est que maintenant que les liens symboliques ont été faits, je peux le faire. Je suis ici dans mon home, je fais ça, et je lui dis ansible.ansible slash isp3. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il y a un... Oh. Et moins verbose. Est-ce que ça passe? Skipping no host matched. The implicit local node match all. Ah, bah heureusement que je teste. Host ISP3. Ah, ok. Alors, j'ai dû me tromper. LN-SV. Ok. Et. Ah, ouais, mais alors, comme le point Ansible existait déjà. Alors. Si je refais. Et si maintenant je refais point Ansible ISP. Ah. Donc là j'ai mon inventory. Et donc si je fais mon point Ansible.cfg, il faut que j'aille retrouver le. Ici, je l'ai pas configuré l'inventory, et donc ce sera. Alors, est-ce que je l'ai correctement mis dans tilde.ansible slash inventory.ini. Donc tilde, donc omnils.ansible, ok, tatatac, ok, on est bon. Warning, no inventory parsed, only implicit localhost is available, unable to parse no such valor directory. Ah oui, c'est point YAML. C'est pas point YAML, c'est point ini. Voilà. Ok. On y croit. Donc là, normalement, il me dit... Normalement, tout est fait, hein. Voilà, il est verbeux, mais il bosse. Ok, 3. Donc, on va revérifier. On va revérifier... j'ai bien dit omnils.ansible. Ok, ça s'envole un peu. Allez, je vais juste m'assurer. Je vais juste aller faire un petit peu de maintenance du rideau et j'arrive.
Et me voici, me revoilà. Hey, mais pendant ce temps, on avait eu un follow. On avait eu un follow. Donc, Vorex28, merci. Merci pour ton follow, avec un peu de retard, parce que j'étais en train d'accrocher le rideau. Où en étions-nous? Nous en étions à vérifier que c'est bon, j'ai bien le bon fichier d'inventaire. Donc ça, normalement, c'est poussé. Je refais un guide push quand même par acquis de conscience. Ok, c'est plutôt bon. Donc, ce que je peux faire à partir de maintenant, en fait, c'est détruire ma VM, mon ISP1 VPS1, et le recréer, et voir si on peut relancer cette petite commande-là, que j'ai déjà perdue. Donc, je vais me reloguer sur la machine juste pour m'en rappeler. Voilà, c'est celui-ci. Hop, copier. Je vais me le coller dans un coin. Voilà. À partir de là, et bah oui, je disais, hop, on la détruit et on recommence. Alors, pour la détruire, hop, comme avant, hop, delete. Voilà, hop, au revoir. Au revoir, petite VM. Et... voilà, on replanifie et on apply. Et en fait, 3 to, voilà, 3 to add, 0 to change, 0 to destroy. Donc, il me recrée la VM. Maintenant qu'il m'a recréé la VM, on va aller vérifier qu'elle démarre. J'aurais pu aller me chercher de l'eau, tiens. Alors remarquez, il reste un petit quart d'heure, un gros quart d'heure de stream. Donc je devrais pouvoir survivre. Et puis après, à la fin du stream, comme c'est devenu maintenant la tradition, on ira faire un petit raid du côté de chez Rancune, qui a l'air d'avoir lancé son stream comme à son habitude, en ce moment, le jeudi à 21h. Alors, oh c'est génial, j'ai senti un courant d'air, c'est trop chouette. D'ailleurs, j'en étais où moi, en parlant de température? 50, 49, 48, 52, ouais ok. 46 degrés sur le chipset, hein. Ça va, on tient le coup, hein. On tient le coup. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a chaud, hein. Alors, donc, pendant ce temps, ce petit Cloud Init, il avance. Il avance, tranquillement. N'empêche, il y a des fois, je me dis, étant donné que mon truc est quand même assez... comment dire, j'ai quand même quelques adhérences... alors, c'est moi qui l'ai voulu, hein. Des adhérences, hein, au fait que ce soit une Fedora, en tout cas dans les VM... je me dis des fois, au lieu d'utiliser Cloud Init, je devrais peut-être utiliser Ignition, qui est, on va dire, un concurrent de Cloud Init, pour faire simple. Hop, alors il a fait quoi? J'ai cru le voir faire des trucs avec le repo. Ok, bon, tant pis. Donc je disais, ouais, qu'il y a un concurrent à Cloud Init, mais qui est, je crois, plutôt pensé pour les systèmes Fedora et Red Hat. Et notamment, il y a une distrib. Une version spéciale de Fedora qui s'appelle Fedora Core OS, qui est fait pour faire tourner des conteneurs, et en fait ça se provisionne via Ignition. Alors je trouve ça un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre que Cloud Init, mais faudrait voir, faudrait que j'essaye à l'occasion un peu plus pour me faire un avis un peu plus complet sur le sujet. Est-ce qu'il aurait fini? Et a priori, il a fini. Voilà, finished. Ok, ça c'est cool, il a fini.
Et j'ai bien mon point Ansible. Ok. Donc si je lance tout de suite comme ça, hein, Ansible-playbook. Hein, je relance ma commande comme ça. Ah oui, fatalement, il connaît pas les... oui. Ouais, donc il y aura la partie... comment dire? Il y aura peut-être cette partie-là qu'il faudra que je trouve un... Bon, ok, j'ai voulu attacher le rideau, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. On va espérer que ce soit pas trop galère pendant le temps qui nous reste. Et, ouais, unreachable, ok, ça va, allez, hop, CTRL-C, hop. IS3, IP3, yes, voilà. ISP3, VPS2, yes aussi, voilà. Et VPS1, normalement, il l'avait déjà fait. Ok, donc là, maintenant, on est bon. Et ensuite, là, cette fois-ci, il devrait me dire, eh, au fait, tout va bien. Alors, déjà ils sont tous les trois joignables, ça c'est cool. Nothing to do, nickel. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ce que je vous propose pour finir ce stream, c'est que pour vérifier aussi que tout va bien de l'autre côté, je vais détruire l'un des VPS. Je vais détruire ISP3, VPS3 par exemple. Et puis on va le réinstancier via Terraform. Il va se provisionner via Cloud Init et ensuite on va lancer la partie Ansible. Alors pour cela, ce que je vais d'abord faire, c'est vi.ssh nonhost. Hop. Remarque, je dois pouvoir faire un petit ssh-keygen-r et je dois pouvoir virer celui-ci. Host not found, gnagnagna. Updated. Alors, si je fais un diff, j'ai diff là-dessus. Diff, oui. Oups. Alors, diff. Moins BU. Et il m'a fait sauter. A priori, il m'a fait sauter. Ouais, il m'a fait sauter ce qu'il fallait. Très bien. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir. Allez, ici, ISP3, VPS3, au revoir. Hop, voilà. Et on est reparti, direction Terraform. Où cette fois-ci, je lui ai dit, hey, au fait, tu voudrais vérifier que mon infrastructure, elle est popée? Et là, il me fait, ben non, il faut rajouter encore une machine. Eh bien, je t'en prie, fais donc. Hop, voilà. Pendant ce temps, on peut aller vérifier ici. Hop, ISP3, VPS3, qui démarre tranquillement. Voilà. Il va lancer son petit Cloud Init. Et puis une fois qu'il aura lancé son Cloud Init, on va s'y connecter en SSH. Et ensuite, on pourra lancer Ansible. Et normalement, il va dire, au fait, le ISP3, VPS3, il est pas. Non, pas Nice, Nils. Hop, voilà. Donc, a priori, là, il est encore en train de démarrer. T-F, var, log, cloud init. Hop, output. Ok. Donc il est gentiment en train de faire l'installation des petits paquets qu'on lui demande d'installer au début. Voilà. Faudrait que je trie d'ailleurs un peu la liste des paquets. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois l'installation de paquets est soumise à la mise à jour des repos, et c'est ce qui prend un peu de temps dans les systèmes, j'ai l'impression. Ok, il a fini. Il a fini, je pense. Voilà, active, exited. Donc il a fini.
Parfait. Donc, on va pouvoir revenir sur notre VPS. On se connecte une première fois à isp3vps1.example.com. Non, pas VPS1. Hop là. Hey, merci pour le follow, Mojita. Merci. Vous me dites, hein, si jamais j'écorche les pseudos. Hop là. À moins que ce soit Morita pour Morito. Donc là, on est connecté sur ISP3 VPS3 et on va relancer notre partie Ansible. Hop, notre petit playbook. Voilà, donc là, il va dire, il y en a deux, ils sont OK. Et le troisième, par contre, il manque tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Bim. Et il dit bien, sur les deux premiers, aucun changement, tout était déjà bien. Et sur le troisième, on a OK égale 3, changé 2. Attends, j'ai pas de curl. Allez, curl, HTTP. Hop. Et voilà. Alors, je vais faire peut-être un plutôt moins i pour... J'oublie souvent ça. Hop là, voilà. Et je vais revérifier que mes deux autres sont OK. ISP3, c'est VPS2. Voilà. Lui, il est bon. Et le 1, il est bon. Voilà. Nickel. Donc, à partir de là, eh ben, on a au moins une conf basique Ansible qui est fonctionnelle. Et ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Alors, je dis pas que je vais forcément installer un serveur web sur tous les autres VPS. Je pense qu'on va pouvoir, arriver à un moment maintenant où on va pouvoir se poser un petit peu plus sur ce schéma et se dire bon bah qu'est-ce qu'on met sur tel truc, parce que pour le moment c'est que du serveur en théorie, enfin c'est que des serveurs SSH, mais on n'a pas de truc graphique, on n'a pas de machine entre guillemets cliente, donc ça pourrait être intéressant à l'occasion d'en mettre une, mais je pense que on essaiera d'y réfléchir lors d'un prochain stream. Ou peut-être qu'avant de se lancer tête baissée dans le code, on réfléchira un peu plus à ce qu'on veut faire. Bien, et ben, je pense qu'on va pouvoir, conclure pour aujourd'hui. Hop. Et ben, c'était très cool. Moi, j'ai vraiment l'impression, ces derniers temps, en plus, sur ces derniers streams du LabAsCode, j'ai l'impression d'avoir ce sentiment de progression. Qui me fait bien plaisir, j'espère que ça vous plaît aussi, parce que pour le moment, là, avec le stream de ce soir, on a vraiment les trois technologies sur lesquelles je voulais baser ma maquette, mon labo. Ces trois technologies-là sont mises en œuvre. Pour l'instant, la partie Ansible, c'est vraiment le minimum, mais j'ose espérer que dans les prochains streams, ça va pouvoir prendre un peu plus d'ampleur. Mais on a vraiment le déploiement des machines virtuelles via Terraform. On a la configuration initiale, un début de provisioning via CloudInit. Et via Ansible, on peut commencer à faire un peu de gestion de conf. Ça va être plutôt sympa. Si jamais vous voulez voir la suite de ces aventures sur le Lab as Code, c'est très simple. Il vous suffit de revenir sur cette chaîne Twitch le jeudi entre 20h et 22h. Je stream aussi les dimanches de 18h à 20h, mais en ce moment... On fait autre chose que le LabAsCode. On fait des conteneurs, on joue avec des conteneurs. Là, j'ai commencé à jouer un peu avec Kubernetes, en particulier avec K3S. Et si j'arrive à faire quelque chose d'ici dimanche pour préparer un peu ce stream, il se peut que je fasse joujou avec Rancher dimanche. Donc si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite d'une part à regarder la vidéo de dimanche dernier en VOD et à passer dimanche à 18h pour voir la suite de mes aventures avec Kubernetes.
Vous pouvez donc voir les anciennes vidéos en replay, au moins pendant 2 semaines. D'après ce que j'ai compris, les chanceuses et les chanceux qui sont sub ont accès à un peu plus de vidéos. Il y a des très anciennes vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous retrouverez normalement tous les liens dessous. Et si jamais vous voulez qu'on discute entre deux streams, eh ben, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Mastodon, sur lesquels je suis relativement actif, surtout Twitter. Mais n'hésitez pas à venir me taper la discute sur Mastodon, ça me permettra d'être plus actif sur ce réseau social-là. J'ai aussi créé un serveur Discord pour la chaîne, donc vous avez l'adresse en dessous. Vous pouvez normalement retrouver tous les liens en faisant point d'exclamation socials dans le chat Twitch. Et vous aurez du coup accès aussi, par exemple, à ma page perso, mon blog, ce genre de choses-là. Je crois qu'on en a terminé pour ce soir. Je vous propose, pour finir la soirée, d'aller passer faire coucou à Rancune, comme c'est maintenant la tradition du jeudi soir. Allons-y. Petit raid. Hop là. Raid Channel. Rancune. Oh, ils sont 26, ça va. Alors. Allez, je vais lancer le raid. Hop, et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.